Salut tout le monde, c'est Namsi. Aujourd'hui, on se trouve pour faire une nouvelle vidéo sur Anime Mania, qui est un jeu sur Roblox et qui est tout nouveau, qui vient de sortir il y a quelques temps. Et puis voilà, on va découvrir ça tous ensemble parce que moi, pour le coup, j'ai pas encore découvert de mon côté. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble et puis let's go les gars. C'est parti. Donc voilà le jeu qui est juste là, ça fait plaisir. Le jeu ressemble à ça. Bon, il y a une musique aussi normalement, mais bon, je l'ai mute. Donc tout simplement, ce jeu a l'air plutôt pas mal. Ça me rappelle un autre jeu comme Aniblox en vrai. Et en gros, là, on peut voir Shanks, Luffy, j'ai oublié son nom. Là, c'est Minato, j'imagine. Ouais, c'est Minato. Après, il y a qui ici? Il y a Barbe Blanche. Là, il y a Luffy Guerrier 2. Là, il y a Sasuke. D'accord, d'accord. Bon, bah, je vois ça. Oh, il y a aussi Dio. Dio, qu'est-ce que tu fais là? Oh, il y a Naruto Sasuke aussi. Oui. Donc, j'ai 2500 gemmes. J'ai jamais joué à ce jeu. Comment ça se fait que j'ai 2500 gemmes? Je comprends plus rien. Donc, attendez. Déjà, on va faire roll. Parce qu'on n'a pas de tout. Et je peux faire 2 fois 10 sans avoir rien fait. Normal que j'ai reçu 2500 gemmes au début. Je sais pas trop, mais bon. Ah oui, mais 2500 gemmes, c'est même beaucoup en vrai. Parce que 1000 gemmes, ça coûte 825 Robux. Ah oui, c'est chaud. Bon, je sais pas si c'est un bug ou je ne sais quoi. Mais bon, vous savez quoi? En vrai, je sais pas si ça vaut le coup pour genre spin. Ok, donc salut Yam au passage. Salut, salut, j'espère que ça va bien. Yo à toi. Il y a Yam qui nous a rejoint. Donc vous savez quoi? Vas-y, on va tenter de roll. En plus, lui, attendez, je vais le voir. Ah ouais, mais c'est vraiment un des personnages les plus forts du jeu en fait. Eh, mais vas-y, les gars, on va tenter. Je sais pas c'est qui par contre. On dirait un peu Kiroa, mais ça je trouve, je me trompe totalement. Je ressemble pas trop à Kiroa, mais juste ses cheveux quoi. Bon, vous savez quoi? En vrai, on va tenter de l'avoir alors. Du coup, let's go. On va faire un x10 roll. En plus, il a des codes en plus. Donc, je sais pas trop ce que ça fait les codes. J'imagine que ça donne des gemmes. Mais bon, voilà. Du coup, let's go. On va faire roll x10. Du coup, 3, 2, 1. C'est parti. Les gars, on a roll. C'est trop stylé. Ok. On a reçu Ichigo. En vrai, on peut skip, mais... Vas-y. Oh, c'est un rare ça, non? Ah, mais quand c'est bleu, ok. Je pense que c'est rare. Après, quand c'est jaune, c'est légendaire, etc. C'est vraiment un truc comme ça. Ouais, elle est rare aussi. Voilà quoi. Enfin non, bleu, je sais même plus si c'est rare. Je vais pas regarder, mais je pense en fait. Vert, c'est atypique sûrement. Une commune quoi. Et blanc, c'est commune, je pense. On a encore reçu atypique. Allez les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît les gars. Mais je sais même pas c'est combien de pourcentage de chance en fait de recevoir le légendaire. C'est combien de pourcentage de chance? Ah, bon. Non, c'est un common. Oh non, encore un common. Encore? Mais non, mais c'est pas possible. Allez, s'il vous plaît. J'ai envie de recevoir The Best. Un légendaire. Bon. Ah, mais il y a un comptement de pitié aussi. Il y a un système de pitié sur ce jeu. Ah ouais, d'accord. En gros, si au bout de 45 spins, on reçoit pas de légendaire, on va en recevoir un sûrement. Et puis c'est ça. Ah, mais bleu, en fait. Bleu, c'est bien rare. En gros, ça, c'est common. Ça, c'est atypique. Et ça, c'est rare. Ou épique. Bon, rare, je pense. Et puis ça, c'est légendaire. D'accord, d'accord. Bon, bah vas-y, on va retenter alors encore. Il nous reste... j'ai plus assez de place. Attendez, juste, où sont les places? Attendez, attendez. Non, parce que moi, je sais pas où sont les places. Hein. Make team. Ah, c'est un make team, vraiment. Donc là, vous savez quoi? Tout simplement, je pense que je vais enlever tous les common, en vrai. Est-ce que je peux les enlever, au moins? J'ai vu des common en favori. Ah oui, on doit faire view. Et donc, on le supprime comme ça. Ah, on peut les vendre. Bah, vas-y. Vous savez quoi? Je vais vendre tous les common. Désolé. Bon, Naruto, je suis désolé, mais voilà quoi, c'est la vie. Après, il y a Ichigo ici. Et après, les autres, je sais pas, bon, vas-y. Est-ce qu'on peut genre les évoluer? Ouais, je pense qu'on peut les évoluer ensemble. Vous savez quoi? En vrai, je vais garder ça pour l'instant. On va aller roll. Et donc, c'est parti, les gars. Espérons on recevoir un légendaire. Vous savez quoi? Je vais déjà skip, hein, je pense. C'est aussi simple. Ok. On a encore reçu un rare. Hein. Un atypique. Naruto. Naruto.
Non, c'est qui? Je sais même pas c'est qui. Allez, mais non, mais un légendaire, on y est presque à chaque fois en fait. Bon, on n'est pas reçu. Je suis déçu de moi-même. Donc, vous savez quoi? On va vendre ça, tout simplement. C'est petit. C'est petit commande. Bon, en vrai, vas-y, je vais aussi vendre Ichigo. Vas-y, vas-y. C'est pas très grave. Ouais, je me demande juste, les rares, ça se vend à combien? Genre, si je veux le vendre, lui, par exemple. 1,25 gemmes. Oui, d'accord. C'est pas énormément, quoi. Mais bon, ça va, quoi. Vous savez quoi, je vais en vendre encore un, parce que sinon, je pourrais pas faire de x10. Et j'aime bien les x10. Bon, on va faire le code, alors, tout simplement. Anime Mania. Voilà, let's go. C'est le seul espoir qui nous reste. Pour le moment. Ok, donc, déjà, il y a un code qui donne 500 gemmes, apparemment. C'est celui-là. SPG Black Star Summit. Et vous recevez 500 gemmes. Oui, vraiment. Bah, c'est incroyable. C'est cool. Après, il y a I Followed You. Voilà, qui est juste ici. Vous avez gagné 50 gemmes. Je sais pas combien de gold aussi, un peu. Il y a Reaper. Je pense qu'il donne 300 gemmes, un truc comme ça. Après, il y a Hariku. Qui est juste ici. Boom, let's go. Vous le faites. Ça, il vous donne 500 gemmes. Ah ouais, d'accord. Après, il y a Desi. Qui vous donne, du coup, 500 gemmes. Je pense que c'est 500 gemmes environ. Ou même un peu plus, hein, j'ai l'impression. Je vais pas retenir ce que j'avais reçu. Et après, il y a Anime Mania Hype qui donne aussi, du coup, 500 gemmes. Après, ça donne aussi des golds, mais les golds, j'ai juste pas compté. En fait. Voilà. Ah, mais en tout cas, on peut être garanti d'avoir un légendaire là. Parce que, de toute façon, en fait, 950 gemmes. On aura au final, de toute façon, encore 5 spins. Donc, bah, on est garanti de le recevoir, en fait. Bon, vous savez quoi? Let's go, on va le faire. Ok. Ichigo, Naruto. Ichigo. Je sais pas qui. Ichigo. Naruto. Mais j'ai vraiment pas de chance. Mais c'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. Bon, bah on va les vendre. Hein. Skin Naruto. Il se fait harceler. Il se fait vendre par tout le monde. Ah là là. Oh, mais attendez, je viens de remarquer, j'ai aussi 31 slots maintenant. Attendez, mais genre, si je vais acheter 8 slots. Ah oui, ça coûte très très cher. 100 slots. Non, 1000 slots. 95 000 gemmes. Oui, c'est beaucoup. Et en fait, les codes, ça vous donne aussi des slots en plus. Non, regardez. Ça donne vraiment des slots en plus. C'est trop cool, en fait. C'est super sympa, j'ai envie de dire. Donc, vas-y, on va run encore. Et espérons le recevoir, hein, et ne pas avoir à faire encore 5 spins. Donc, c'est bon, let's go. C'est parti. Bon, on a reçu Ichigo, on a reçu le rare, on a reçu Naruto, on a reçu je sais pas qui, on a reçu Ichigo, on a reçu le rare. Mais what? Mais c'est incroyable vraiment, genre la chance qu'il faut pour avoir un légendaire. Le rare, j'ai reçu tellement de fois par rapport au légendaire que j'ai jamais reçu en fait. Bon, bah là on n'a pas le choix, hein. On doit faire 5 spins les gars. On doit faire 5 spins, de toute façon il y a l'appétit quoi. Donc vas-y, let's go. Bon, on l'a toujours pas. On l'a toujours pas. Slowdown. Ok, je me calme. Je me dis de me calmer. Et bon, bah là, on a forcément un légendaire, les gars. Et let's go. Let's go. On a posé une légendaire grâce à la pitié. Ah, mais c'est incroyable. On avait 45 spins en tout pour recevoir le légendaire. Waouh, mais vraiment, mais ok, bah c'est cool, j'ai envie de dire. C'est cool. Au moins, on a eu assez de pitié. On a eu assez de pitié pour le recevoir. Hein. Donc, let's go, tout simplement. On va l'équiper. Du coup, c'est qui? C'est Nojo. D'accord. Ok, on va l'équiper au slot 1. Voilà. Et puis, les autres, je sais pas s'il faudrait vraiment les équiper. Bah, tu sais quoi, je vais équiper les rares en vrai. Lui là, vas-y, let's go, slot 2. Et Ichigo. Attendez, est-ce que je peux équiper deux de eux? Genre deux lui. Mais quoi? Mais c'est une blague. Je peux équiper deux Komodura. Ok. Bon, bah, du coup, let's go. Maintenant, appuie sur play. Ok. Donc, let's go. On appuie sur play. Après, on fait créer de room, je pense. Ah, attends. 1, 2, 3. Ah, non, on va faire le code. Voilà.
IEM, une grosse dédicace à IEM. Donc, c'est bon, let's go, on fait create room. Ok, let's go, IEM, il nous a rejoint. Et puis, du coup, let's go, on va faire begin, simplement, sans plus tarder. Et c'est parti. let's go, arena. Donc, let's go, on est sur la game, on est sur le jeu. Et puis, ok, c'est en train de charger. D'accord, il y a une musique déjà. Il y a une musique. Choisir caractère, bah on va choisir lui, hein, du coup. Donc, ça c'est les attaques. Ah, mais en fait, c'est nous qu'on les attaque. Moi j'ai fait l'attaque une. Ça fait beaucoup de dégâts, quoi. Wesh. J'ai déglingué. Allez, Naruto, balance ton shuriken. Rasen shuriken. Wow. Ah oui, t'avais beaucoup de dégâts, Naruto. Naruto, il le déglingué. C'est incroyable. Attendez, mais j'ai fait quoi, là? Mais attendez, mais je fais beaucoup trop de dégâts, en fait, avec le coup de poing. Mais regardez le nombre de dégâts que je leur fais, en fait. C'est incroyable. Wow. Ok, on a la wave 4 déjà. Bah, continuez de choisir lui, hein. Voilà, voilà. Allez, on peut run comme ça. Attendez, je vais refaire l'attaque 1. Ah oui. Ça fait beaucoup de dégâts. Mais on est en train de déglinguer. Attendez, l'attaque 3. Wow. Et l'attaque 4. Wesh. Mais c'est incroyable. Mais c'est trop stylé. Et si je le laisse m'attaquer? Ah mais ça lui renvoie l'attaque en fait. Mais c'est trop trop cool. Mais what? Mais il est trop cheaté ce légendaire. Naruto il fait du bon boulot. Voilà l'attaque suprême là. Ah mais ça leur fait pas autant de dégâts que ça en fait. Non, c'est juste qu'ils ont beaucoup plus de vie en fait. Ils ont vraiment beaucoup beaucoup plus de vie. Ah non. Je sais même pas s'ils ont beaucoup plus de vie. Mais en tout cas, on est en train de déglinguer. Apparemment, c'est des gardes de je sais pas quoi. Je sais pas c'est des gardes de quoi. Il y a Rasen Shuriken qui a bugué, c'est drôle. Donc, on va faire ça. Reverse Ariad. Wow. Wow. Ah, il me déjà déglingué. Oh, yeah. Oh, c'est Orochimaru. On est en train de combattre Orochimaru. C'est trop drôle. Je suis victimisé. C'est skin d'Orochimaru. Ah oui, bah ça fait beaucoup de dégâts. Let's go! On a réussi! On a réussi jusqu'à la wave 10. Et ah, on peut aussi gagner des caractères, d'accord. Et on a reçu 150 de gold et 25 gemmes. GG. GG, GG. Eh, ce jeu, il a l'air vraiment cool en vrai. Oh, j'ai reçu une quête du coup. C'est pas une 2500 gemmes et une. J'ai dépensé 2500 gemmes en une journée. Big bala, voilà. J'ai reçu quoi? Ah, j'ai reçu quelques gemmes. Pas mal, hein. Après, il y a Canon Fodder. Kill 25 Any Sound Ninja with Any Character. D'accord. Là, on a reçu 50 gemmes aussi encore. Et bah, c'est cool en vrai. Il y a des petites quêtes comme ça qui peuvent être vraiment, vraiment bien. Après, vous pouvez aussi appuyer sur AFK pour AFK. Voilà, si vous voulez gagner des gemmes, etc. Comme sur All Star Tower Defense, quoi. Et n'oubliez pas de faire les codes, hein. Si c'est toujours possible, du moins. Voilà. Donc.